Salut tout le monde, et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier défi de la chaîne, It's the Socket. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon acolyte de toujours, Kevin. Donc, It's the Socket, ça vient de l'anglais, manger la saucette. Ce qui veut dire qu'on va manger. Comment c'était de la merde! Ceci n'est pas une fausse vidéo. Bonjour! Dans cette vidéo, je vais traiter toutes les critiques constructives que vous avez faites sur ma chaîne depuis le début. En 1, la base des bases, mon matériel. Je me filme avec une DS3D et pour le son, j'utilise un téléphone. Mais non, je déconne. Je me filme actuellement avec un caméscope et un trépied. Très intéressant, n'est-ce pas? Par contre, pour le micro, c'est vraiment un téléphone. Non, évidemment, on filme pas. On filme avec tout ce qu'on a. Mais c'est vrai que notre matos, c'est pas complètement fini, quoi. Deuxième point. Le jeu d'acteur. Ça fait depuis combien de temps qu'on fait des vidéos? Ça fait un an. Ouais, un an tout pile. Un an. On n'était pas chaud ce jour-là aussi. Vraiment pas la peine de vous parler de mon jeu d'acteur. Troisième point. Avec qui je fais mes vidéos? Avec cet homme viril. Avec celui-là aussi. Mais c'est parfait. Mais avec n'importe qui osera me proposer de faire une vidéo. Mais faites attention, j'aime les hommes. Non, en vrai, ça me dérange en rien de faire des vidéos avec n'importe qui. Tant qu'on bosse, qu'on s'amuse, qu'on travaille bien la vidéo. Et c'est ça qui est cool, quoi. Quatrième point. Ah, mais où il est? Ouais, le projet série, je suis en train de le chercher. Là. Putain, arrête, salopard, t'es où? Donc... Le projet série, on était censé le sortir l'été dernier, mais il y a eu un petit problème, voire un gros problème. Des acteurs qui nous ont lâchés, du matos qui nous a manqué, mais surtout la volonté. Mais on n'a pas oublié le projet série, on ne l'a pas abandonné, c'est juste qu'il va y avoir quelques petits problèmes par rapport à la bande-annonce. En 1, il n'y aura pas les mêmes acteurs. En 2, il n'y aura pas les mêmes techniques. Et en 3, elle sera bien plus travaillée et bien meilleure. Je l'espère. Voilà. Voilà pour le projet série. C'est une critique qui me vient il n'y a pas si longtemps. Le rendu final est pas forcément terrible. Je pense faire des putains de vidéos au départ. Mais après, c'est pas terrible quoi. Avec Guerlain, on essaie de les travailler au mieux qu'on peut. On y met du cœur. Mais je pense que le plus dur, ça sera de se surclasser comparé aux autres youtubeurs de notre niveau. 6. Le calendrier de nos vidéos. Depuis le début de l'année, on a commencé avec gaming, after trip, badass. Mais la vidéo gaming sur FNAF 4 a été mystérieusement supprimée. Et du coup, ce qui signifie qu'on va refaire du gaming. Allez! Donc, du coup, prochaine vidéo... Vidéo gaming, après vidéo, on espère sortir la nouvelle bande-annonce et peut-être le Zap Studio 2 si on le travaille beaucoup. Donc en gros, ça donne ça.
Merde, il est 5h. Ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'aimez et à commenter si vous trouvez que j'ai oublié un point important de cette vidéo. Des fois je me sens vraiment bien, des fois c'est du bluff. Des fois je fais des blocages, je parle pas de faire du smurf. Rien de neuf, à part un coup de vieux dans les rues de ma vie.